Bonjour! Ça fait maintenant quelques mois que j'ai parlé de l'anime Gintama, et au moment où je vous parle, c'est toujours la vidéo commentée la plus vue de ma chaîne. Je me dis donc que Gintama est un anime qui plaît beaucoup, du coup, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour reparler de Gintama. Un top des personnages de Gintama? Les meilleurs moments de Gintama? Mais je me suis rappelé d'une chose, Gintama a eu le droit à deux films. Le premier en 2010 est une réadaptation de l'arc Benizakura, et je l'ai pas encore vu car il y a déjà ce passage dans l'anime. Et je me suis dit que ça pouvait attendre. Par contre, le deuxième film Gintama raconte une histoire que l'on n'a pas vue dans l'animé. J'ai donc regardé ça bien tranquillement et aujourd'hui, on va en parler. C'est parti! Donc Gintama Kanketsuen Yorozuya yo Eien Nare, ou Gintama The Last Chapter en anglais, est un film sorti en 2013 par le studio Sunrise. Dans ce film, on va suivre Gintoki qui a été transporté dans un futur où il est censé être mort. Il va redécouvrir tous les personnages ayant évolué. Le but de Gintoki sera de retrouver comment il a bien pu mourir et trouver un moyen pour éviter ce futur. Parce que oui, la mort de Gintoki a engendré quelques soucis. Déjà, les Yorozuya se sont séparés avec Shinpachi d'un côté et Kagura et Sadaharu de l'autre. Ils ne sont pas ennemis pour autant, mais ils cherchent tout simplement à savoir qui des deux est le plus apte à honorer la mémoire de Gintoki et reprendre ce qu'il a laissé derrière lui. Mais ce n'est pas tout, la ville de Edo est complètement ravagée, en grande partie à cause d'une maladie, la peste blanche, et on va au passage apprendre que c'est en enquêtant dessus que Gintoki a disparu. Voilà pour le résumé global. Maintenant rentrons un peu plus dans les détails. Déjà, les tenues de Shinpachi et Kagura sont très bien pensées. En plus de reprendre les deux parties de la tenue de Gintoki, elles sont une référence aux tenues de Kirito et Asuna, parce qu'il faut bien le dire, SAO était au top de sa popularité en 2013. Ensuite, comme je l'ai dit, Gintoki va redécouvrir tout le monde. Et pour ce faire, il est bien sûr camouflé en Chin, qui se dit être un ancien ami de Gintoki. Alors, je sais pas vous, mais après avoir vu le film, l'un des trucs que j'ai le plus envie de voir maintenant, c'est ce film, mais avec Gintoki toujours sous la forme de Chin. Parce qu'on le voit comme ça que sur quelques scènes, sinon, nous, les spectateurs, on le voit normalement. C'est vraiment très marrant de redécouvrir chaque personnage et de voir en quoi ils ont évolué. Et évidemment, Gintama oblige, l'anime, bien qu'avec une histoire très sérieuse, n'échappe pas à l'humour si typique de Gintama. Cet anime, c'est vraiment un des seuls où tu peux avoir une scène hyper importante, mais qui tourne à la comédie sans que ce soit dérangeant, et au contraire, c'est ce qui fait que l'anime est vraiment unique et que beaucoup de gens l'apprécient. L'exemple dans ce film, c'est la scène où ils doivent retrouver Gengai. Il va y avoir un passage très marrant, alors que, en soi, c'est un des passages les plus importants du film. Pour ce qui est de la menace, la peste blanche, on a une bonne présentation de ce que c'est via une personne qui a attrapé cette maladie. Et pour ce qui est des combats, comme d'habitude pour Gintama, c'est très bien, l'animation n'a pas de problème, c'est plutôt clean, même si c'est pas incroyable non plus, et on ressent vraiment par contre de la tension. L'antagoniste principal du film est très bon, et le fait qu'on le voit très peu avant son combat est une très bonne chose. Maintenant on peut voir les défauts. Et merde. Bon, voilà, c'est compliqué d'en trouver dans ce reste qu'un, mais si on force un peu, on peut quand même dire que le film reste prévisible sur quelques points, et quelques personnages manquent un peu de temps d'apparition, comme les membres du Shinsengumi par exemple, qui sont très très secondaires dans ce film, mais tous ces très légers défauts restent minimes, et on passe vraiment un excellent moment devant l'anime. Évidemment, si vous avez beaucoup aimé l'anime Gintama, vous aimerez beaucoup ce film. En fait, je pense même que si vous n'avez pas regardé Gintama, vous pouvez tout de même visionner ce film. Ça vous fera une bonne introduction dans l'univers de Gintama. Et il est vraiment détaché de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune allusion aux autres événements qui se sont passés dans l'anime ou qui se passeront plus tard, et aucune nouvelle du méchant principal. En plus, donc, l'histoire est complètement détachée, chaque personnage est réintroduit, sachant que Gintoki redécouvre tout le monde. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un peu plus courte, mais quand même très important, parce que Gintama c'est quand même très bien. Moi je vais retourner à attendre la suite de Gintama qui sortira en 2021. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.